Mission forcée en Libye et qui va du coup nous expliquer par son témoignage les différentes violations aux droits humains qu'il a pu vivre et qui sont contenues dans la déclaration. Il va parler en anglais et je vais faire la traduction. Même si je parle français, je préfère parler en anglais parce que je vais faire des bêtises après. I will try to keep it short because I don't want to violate the right of the public to eat. It's also a right, human rights violation, I think. Donc il a dit qu'il allait être rapide parce que c'est aussi le droit de manger, c'est aussi un droit humain. Being an activist from 2011, after the so-called Libyan revolution, we were active in different fields. One of the fields that I was really active in online and on the ground was women's rights, freedom of speech, and freedom of religion. Jabir est un activiste, il a commencé à être activiste depuis 2011, depuis la révolution libyenne. Il a été à la fois un activiste en ligne, mais aussi sur le terrain, donc en Libye. Et c'est les différents champs d'action principaux, c'était la liberté d'expression, le droit des femmes et la liberté de culte. And all of these things can get you really killed in Libya. Not only get disappeared, I have friends who are still not known if living or not since 6-7 years, and some friends who were assassinated. You give a cultural shock when you speak about such subjects, and then as an activist you're facing death or enforced disappearance. In my case it was kidnapping and enforced disappearance that went through 2 years by Libyan militias in Tripoli. Donc le fait d'être un activiste en Libye est une raison pour se faire tuer et pour disparaître. Il a des amis et des personnes autour de lui qui sont disparues, et on n'a aucune idée de leur sort depuis 6-7 ans. C'est un réel choc culturel de pouvoir discuter de ça, c'est un réel choc culturel l'activisme en Libye, et en effet ça peut vraiment mener à la disparition forcée et au kidnapping, comme ça a été le cas pour lui durant 2 ans. And militias are, I want to say that they are sleeping in the same bed with the government. And this is a problem of legitimacy, actually, where the government is funding and is giving legitimacy to the militias that are working on the ground, especially on the west side. The east side is a little bit more complicated. And this... La difficulté en Libye, c'est l'expression qu'il a employée, le fait que l'État et les milices dorment dans le même lit. Ce qui se passe, c'est que c'est ce qui est très compliqué, c'est que justement de faire la distinction entre les milices et l'État en Libye, notamment dans la mesure où les milices sont souvent financées par l'État. Surtout dans la partie ouest du pays. In my case, I was a very fat, a very delicious material to the militias because I'm not Libyan, even though I lived my whole life in Libya. I'm black, so that gives them another reason to be racist. Also, xenophobia is something that is very common there, and this has given them the reason to kidnap me, torture me, and keep me in 5 different secret prisons in Tripoli, while accusing me of all kind of accusations to actually legitimize this kidnapping and this enforced disappearance. Donc ce qu'il dit, c'est qu'il était du matériel délicieux pour les milices en termes de disparition forcée, notamment lié à la xénophobie libyenne, dans la mesure où il n'est pas libyen d'origine et qu'en plus de ça, il est noir de peau. Donc du coup, ça a pu légitimer le fait de le kidnapper, le torturer et le garder dans 5 lieux différents détention. Détention, voilà. And here comes the problem of legitimacy, actually, where the militia that kidnapped me is financed by the Libyan state. And when the Libyan state sent asking for if I was
detained by one of the militias in Tripoli. They all said no while I was in their secret prisons. So here is another problem of enforced disappearance, where the state is directly involved in these crimes. States that have signed the Declaration of Human Rights, the International Declaration of Human Rights, but they are actually financing, paying and protecting militias on the ground. Donc il dit que la légitimation du kidnapping et de la disparition est très spécifique en Libye, surtout dans la mesure où, comme il disait avant, les milices sont souvent financées par l'État libyen. Et en fait, ça a conduit au fait que quand il a été enlevé et qu'il a été détenu en Libye, à Tripoli, il y a eu un déni de justice, ça c'est sûr, mais surtout un déni du lieu de détention. Et donc du coup, ça pose la question de comment faire quand l'État est le responsable dans ce genre de situation, même si c'est à travers les milices, et notamment un État qui lui-même a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme. And because of pressure from my family and international community also, and also because the government of Faisal Sarraj at that time wanted to clean itself, whitewash itself, I was then, because of the deal between the militias and the intelligence, I was handed over to the intelligence, and then became another problem, where I got accused of other accusations by the Libyan states, to cover the back of the Libyan state in the future, in case I want to follow this internationally. Ok, si j'ai bien compris. donc, grâce à la pression de sa famille, mais aussi de la communauté internationale, et aussi du fait que l'État libyen voulait se laver un petit peu de ses actes, quoi, de sa responsabilité, I was handed to the Libyan intelligence. Voilà, il a été envoyé à l'intelligence libyenne, les services de sécurité, quoi. Yes, and that this body actually is also a semi-militia, semi-legitimized body, and then they transferred me to the General Prosecutor's Office, which accused me of another 3-4 accusations to cover the back or to protect the Libyan state, actually, from future prosecution. Ok. Donc, quand il a été envoyé au service secret libyen, ce qui s'est passé, c'est qu'il a été envoyé vers le ministère public libyen, qui l'a accusé de différentes autres charges, 3-4 différentes autres charges, de manière à, premièrement, légitimer, mais aussi se couvrir, voilà, exactement, au cas où il voudrait mettre en place des mesures au niveau international. And these accusations were actually a defamation of Islam, trying to corrupt the Libyan society, and etc. So these are typical accusations, especially in Egypt, Libya, especially in Egypt, where you are, whenever you are an activist, you are being accused of threatening the national security or trying to corrupt the society. Donc notamment dans les charges dont il a été accusé, on peut retrouver la diffamation de l'islam, la corruption de la société civile, et on peut retrouver donc ces différentes charges notamment dans d'autres pays comme l'Égypte, où très souvent on va accuser de ces charges-là aux activistes et aux militants des droits de l'homme. So and then they decided to deport me. So the last solution was to get rid of me. This person is a problem. Put him in a plane, and they sent me back to Sudan. Actually, and until this moment, my file is still open in the prosecutor's office in Libya. So I was deported directly from the secret prison I was in to the airport. En fait, il n'y avait plus vraiment de solution, entre guillemets. La dernière solution qu'ils ont trouvée, c'était de le déporter, de le déplacer, en fait, de manière forcée vers le Soudan. Donc, du coup, il a directement été déplacé depuis la prison secrète où il était détenu vers l'aéroport pour l'envoyer au Soudan. Et son dossier est toujours ouvert en Libye.
And even though I am used to danger, but that also was dangerous for me because they sent me back to Sudan where I was again in danger because of the Sudanese intelligence which were waiting for me at the airport. Et du coup, quand il est arrivé au Soudan, il y a un nouveau danger qui s'est mis en place parce que également au Soudan, il était en danger et il était recherché aussi par les services de sécurité et les services secrets soudanais. This is to make my story very short, but I really want to say is that if we want to have efforts to stop this, all kind of crimes happening against activists, we need the people on our side. The problem is that the militias or armies or governments know very well how to spread fear within us, within the people. That's why I think that we need to raise awareness among the people, besides of course working on the juristic part, but raise awareness of the people to have them on our side. Thank you. Ce qu'il dit, c'est que surtout le plus important, c'est donc de lever conscientiser la population de manière à avoir la société civile et le reste de la population de leur côté. Au-delà du fait de travailler sur la justice, il y a vraiment une importance de montrer qu'est-ce qui est en train de se passer en Libye, parce que notamment le gouvernement libyen est très fort pour semer la terreur dans le pays. Merci. Et bon appétit.